Voici une boîte de 36 boosters de cartes à jouer Yu-Gi-Oh! De l'édition Duelis légendaire, La Rage de Rat. Une édition qui vient juste de sortir, édition appelée L2D7. Ça fait partie des packs du Duelist. Et dedans, il y a des cartes vraiment exceptionnelles. Donc c'est une formule qui comprend que 57 cartes. Et donc on va ouvrir cette boîte de 36 boosters pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ici. Comme ça pour. Et voilà, donc premier booster. Donc c'est des boosters de 5 cartes. Et en sachant que dedans, alors c'est des super rares, des ultra rares. C'est parti, premier booster. Hop. Alors, on va faire défiler rapidement les communes. Hop. Et on a une carte rare, Déviation Mechlord. Donc, ce sont des boosters en français. Donc, la 21. On va les mettre là. Et on va laisser les communes ici. C'est parti. Deuxième booster. Bon, ça va aller si vite parce que, contrairement aux cartes Pokémon ou Magic, il y a quand même beaucoup moins de cartes à ouvrir. Monster Reborn aura du classique. Forteresse Mechlord. Paralysie des bras. Et une nouvelle rare, Méga Cyber Psychique. À 33. Le troisième booster. Hop. Allez, Seigneur Jinzo. Ah, super! Une super rare, la numéro 20. Assemblée Mechlord. Hop, on va laisser. Et puis on a une rare aussi dans le même booster, Machiora le Destructeur. La 8. Voilà, le but c'est aussi d'avoir un maximum de cartes différentes. Alors l'idéal ce serait d'avoir la numéro 0. Et puis alors, la Ghost, qui est une carte exceptionnelle. C'est parti. Je vais défiler les communes. De rats. Et on a une nouvelle rare, Alliage Éternel. Quel numéro? 37. Amplificateur, Seigneur Jinzo. Oh, canon de flamme. La 5, c'est une ultra rare. Oh, super intéressante. Et on a une rare aussi. Chaîne d'entrave du dieu. Hop. Première carte super sympa. Le canon de flamme. Alors, combien on va avoir de cartes ultra rares dans une boîte de 36 boosters? Monster Reborn. Alors, c'est toujours les mêmes qui reviennent souvent. Hop, en rare, on a Astro Mechlord l'éradicateur. Hop, c'est parti. Oh, c'était la combien celle-là? La 22. Allez, redémarrage. Se reborne encore. Et nouvelle rare, un monstre sauvage apparaît. La 52. Il y a au moins une carte rare par booster. Voilà. Armée Mechlord déterminée. Ouh, révélation millénaire. C'est la 6. C'est une super rare. Et on a une rare aussi. Réacteur Slim. Donc pour l'instant, on a déjà eu deux super rares et une ultra rare.
indicateur. Et on a communication avec le cosmos en rare. Alors, Résurrecteur Genzo, paralysie des jambes, contrôle mental. Une nouvelle rare, Makura le Destructeur. La 8. Méga Cyber Psychique en rare. 33. Alors, fond du bras gauche, récepteur Jinzo, rue et deux jetons. Et en rare, choc énergétique cyber. À 34. A noter que dans cette famille de 57 cartes, il y a environ une dizaine de cartes qui sont vraiment, vraiment super intéressantes. Un peu comme le canon de flamme. Allez, hop. Fixateur, contrôle mental. Ouh, une super rare encore. La 17. Weasel, Empereur Mechlord, Absorption Synchro. Et en Makura le Destructeur, la 8 en rare. On en est à 3 super rares. Et une ultra rare dans la boîte. Un milliard d'ultra rares par boîte, il y en a peut-être deux. Redémarrage. Mal à l'élection terminée. Ouh ! Voilà ! Une nouvelle ultra rare. Champ ancien. C'est la 4. Oh, ça, c'est une super carte. Et Réacteur Slim, la 2. En rare. Alors là, on a une super carte. C'est la troisième ou quatrième carte qui a le plus de valeur dans cette famille. On a deux super cartes ultra rares dans cette boîte. Voilà, on continue. Armée Mechlord, bruit de jetons. Et Déviation Mechlord en rare. C'est la combienième? La 21. Et c'est parti. Nouvelle rare, Réacteur Slim. La 2. Hop. On l'a déjà eu. Mais bon, vu qu'il y a 36 boosters et quelques 57 cartes dans la famille, on peut s'attendre à avoir plusieurs fois les mêmes cartes. Fini. Ah, une nouvelle super rare, la 19, Deployer Obligato, Armée Mechlord. Et en rare, Astro Mechlord, l'éradicateur. Encore une super rare, c'est bien ça. On est à 4 super rares et 2 ultra rares. Allez, Résurrecteur Jinzo. Lord, redémarrage. Armée avec Lord déterminé. En rare, chaîne d'entrave du lieu. 53. Côté nuit, cette ouverture de booster de cette famille qui vient juste de sortir Monster Reborn. Isolant pour Mechlord. Paralysie des bras en rare. Astro Mechlord, l'éradicateur. Voilà. Skell Empereur Mechlord. Isolant amplificateur. On aura Alliage Éternel, la 37. Hop. Redémarrage. Ah, celle-là, on l'a eu pas mal de fois.
toute façon, c'est des communes, il ne va pas y en avoir beaucoup que ça. Disciple de Ra, Seigneur Jinzo, clair déterminé. Et en rare, Réacteur Slime, la 2. Je crois que ça fait la troisième fois qu'on l'a. Onde de choc psychique. Lord Sunday au jeton. Oh, Loi du Cosmos. C'est une super rare. La 35. Loi du Cosmos. Magnifique. Et en rare, Makura le Destructeur. Cinquième carte super rare de la boîte. Et on a eu deux ultra rares. On espérait en avoir même une troisième. Ça serait sympa. Allez, paralysie des bras. Diesel. Et Astro Meclord, l'éradicateur, la 22. Il nous reste encore 3, 6, 9, 10, 13 boosters à ouvrir. On va peut-être encore avoir des bonnes surprises. Allez, c'est parti. Ouh, une nouvelle super rare. La 19. Ah ben on l'a déjà eu celle-là. Déployeur obligato. Donc deux fois dans la boîte de 36 boosters. Et une rare. Un monstre sauvage apparaît. 52. Donc deux fois on a eu la même super rare. Seigneur Lindo. Oh, encore une super rare. Noyau infini Nucleus Meclord. La 18 et Méga Cyber Psychique en rare. Ça serait bien d'avoir encore une ultra rare. Allez, Forteresse Meclord. Oh. Et en rare, Alliage Éternel. On l'a déjà eu, il me semble. Cérébral. Oh là là là, voilà une ultra rare. On en voulait une. Bihama, aura blanche. C'est la 56. La troisième ultra rare de la boîte. Et communication avec le cosmos en rare, la 36. Allez, peut-être une quatrième, puisqu'on en a eu trois. Reborn. Et en rare, choc énergétique, cyber. Hop. À la fin de la vidéo, on pourra ainsi savoir combien dans une boîte de 36 boosters on a eu de cartes super rares, ultra rares. Allez, c'est parti. Oh, 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 le vrai nom, une nouvelle carte ultra rare, la 14. C'est la quatrième de la boîte et en rare, chaîne d'entrave du dieu. Donc quatrième ultra rare de la boîte. Allez, rouée de jetons. Vide de rat. Oh, une super rare encore, Bounders Psychique, c'est la 32. Et en rare, encore communication avec le cosmos. Bon, c'est intéressant, on a à peu près une douzaine de super rares ou ultra rares dans la boîte, a priori. Ce qui signifie, c'est que tous les trois boosters, il y a une carte au moins super rare. Et là, en rare, on a Makura le Destructeur. Il nous reste encore 5 boosters dans cette boîte. Allez, une cinquième ultra rare, ça serait sympa. Pourquoi pas la 0? En ghost, alors ça serait énorme. En gosse, elle est cotée à plus de 200 euros. Donc ça serait quand même pas mal. On va déterminer. Fini en rare. Chaîne d'entrave du dieu. Contrôle cérébral. Astro Meclord, l'éradicateur. Une nouvelle rare.
Et il nous reste 3 boosters de cette édition. Ah, Bounder Psychique, on l'a déjà eu. C'est la 32 en super rare. Et Reactor Slim en rare. Allez, les deux derniers boosters. Allez, une ultra rare, ça serait bien. On a 2 boosters. La 0, ça serait bien, la 0. Et en rare, Choc Énergétique Cyber. Dernier booster de la boîte. Hop, reborn. Allez, eh non, c'est fini. Une dernière arme, Mecha Cyber Psychique. Donc voilà, dans une boîte de 36 boosters, ce que l'on a, on a eu 4. Donc on va commencer par les super rares. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes super rares. Et on a 4 cartes ultra rares que l'on peut voir ici. Voilà. Donc dans une boîte de 36 boosters, ça fait 13 cartes au moins super rares ou ultra rares.